Ce que nous voulons, c'est que l'État ait pitié pour accepter d'ouvrir une porte que les étudiants de l'INPA puissent travailler sans avoir à passer un concours professionnel d'intégration. Citoyens, citoyennes, bonjour. Vous avez certainement vu vent de la grève que les étudiants de l'INPA font et certainement que vous posez des questions sur leur motivation. Donc, malgré tout ce qui s'est dit dans la presse et sur les réseaux sociaux, nous sommes allés vers eux pour vous, afin qu'ils puissent eux-mêmes vous dire ce dont il s'agit. Bonjour, je suis l'étudiant Nyanté Nathanaël. Je suis étudiant à l'INFPA. L'INFPA est l'Institut National de Formation Professionnelle Agricole. Et c'est un institut qui recrute des étudiants à l'aide d'un concours qui a lieu chaque année. Et ce concours donne suite à une formation de 2 ans, une année de première de tronc commun, et une deuxième année de spécialisation dans différentes filières, telles que l'agrotransformation, élevage et métier de la viande, agriculture et coopération, comme on appelle machinisme agricole et foncier rural. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'à la fin de notre formation, il y a des problèmes d'insertion professionnelle. Et les étudiants se rendent compte que pour l'insertion à la fonction publique, il y a un autre concours d'intégration. Ça veut dire que l'INFPA forme sans donner une intégration directe à la fonction publique. Ce qui est différent des autres instituts tels que l'INJS, le CAFOP, l'INFAS. Et c'est une situation qui complique beaucoup les choses parce que le concours d'intégration qui est lancé par la fonction publique ne prend que maximum 20 personnes chaque année. Et c'est vraiment compliqué. C'est ce qui a motivé les étudiants à aller plaider auprès des autorités pour qu'ils puissent avoir une oreille par rapport à la situation. Et le motif, c'était qu'on voulait avoir l'occasion de négocier une intégration directe à la fonction publique. Ce qui n'a pas été le cas dans les échanges avec les autorités malgré les demandes d'audience et malgré même les préavis de grève. Ce qui a donné lieu à une marche organisée et prévenue à la date du 22 avril 2024 au plateau. Tout avait été organisé, tout avait été géré avec les différentes autorités pour que cette grève-là, cette marche-là soit encadrée et suivie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos camarades sont dans les rues du plateau. Nous avons essayé de nous faire voir pour demander pardon à nos autorités. Et notre message, c'est que le président de la République, le premier ministre et notre ministre de tutelle, le ministre Adjumani, est compassionné, pense à nous. Les étudiants de l'INFPA veulent servir le pays, veulent travailler pour leur gouvernement et veulent participer au développement de la Côte d'Ivoire. Donc ce que nous voulons, c'est que l'État ait pitié pour accepter d'ouvrir une porte que les étudiants de l'INFPA puissent travailler sans avoir à passer un concours professionnel d'intégration. Donc c'est notre doléance auprès du président de la République et du gouvernement. Merci beaucoup. Moi, c'est l'étudiante Passy Amenambissi. Je suis étudiante à l'Institut national de formation professionnelle agricole. Il faut dire que l'INFPA est un concours. C'est un institut qui organise des concours chaque année. Et comme nous voulons travailler, nous sommes des jeunes, nous sommes vigoureux, nous postulons à ce concours afin de pouvoir nous insérer dans la fonction publique. Et lorsque nous faisons notre inscription, on ne nous dit pas qu'il n'y a pas d'option pour la fonction publique à l'INFPA. Mais pendant l'inscription, on nous présente des fiches. Des fiches d'engagement sur lesquelles on nous donne seulement 2 options, l'auto-emploi et le privé. Pourtant, lorsqu'on nous demande de faire le concours, on met sur la plateforme fonction publique. Et une fois inscrit, une fois admis, on nous présente seulement 2 encadrés qui sont l'auto-emploi et le privé. Se trouvant devant une situation compliquée, nous sommes obligés de postuler, soit choisir le secteur privé ou l'auto-emploi. Bien que nous ayons envie d'aller à la fonction publique. Aujourd'hui, nous crions vers nos autorités pour qu'on nous aide à intégrer la fonction publique. On nous demande de ne pas utiliser cette option parce qu'au départ, à l'inscription, nous avons choisi l'auto-emploi. Chose qui n'était pas normale. Ça avait été un piège. S'ils avaient donné 3 options, auto-emploi privé, fonction publique, c'est sûr que la majorité des étudiants auraient choisi la fonction publique. Ils nous ont donné seulement 2 options. Nous avons choisi. Mais maintenant, nous nous trouvons face à des situations compliquées. Nous avons des témoignages de nos aînés. Nos aînés qui longtemps ont fini les études, longtemps ont eu leur diplôme à l'INFPA, mais qui ne travaillent pas encore. Et quand ils vont voir nos autorités, on leur demande de s'auto-intégrer eux-mêmes. On leur demande de créer eux-mêmes leur propre emploi. On leur demande de trouver de l'argent eux-mêmes pour s'auto-financer et puis rentrer dans l'auto-emploi. Chose qui n'est pas facile. Nous savons que la jeunesse actuelle a des difficultés financières. Nous savons qu'il y a beaucoup d'orphelins parmi nous. Il y a des personnes même qui ont du mal à payer leur scolarité. Nous dépensons énormément au cours des 2 années de formation. Et lorsqu'on finit, on a du mal à trouver du financement pour pouvoir nous créer notre entreprise. Et nos autorités refusent d'entendre notre cri de cœur. Nous avons décidé de faire une grève. Nous avons déposé des préavis partout. Nous avons demandé à ce que les autorités puissent nous écouter, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous assistons à une situation selon laquelle nous avons été expulsés de nos différentes écoles. Nous dormons dehors. Nous dormons dehors, bien que toute cette situation avait été prévenue. Nous avons dit que nous voulons faire une grève pacifique. Ça veut dire que nous n'allons pas toucher au bien public. Nous n'allons faire de mal à personne. Mais aujourd'hui, nous avons été expulsés de nos différents établissements. On nous privait de nourriture. Et nous sommes rentrés tous en famille. Face à cette situation, on ne pouvait pas rester les bras croisés.
Nos anciens sont avec nous. Nous qui sommes encore sur les bancs, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons l'amertume de nos grands frères. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire ce moment de paix. Et là, on a été malmenés. Tout à l'heure, nous avons fait notre marche, mais ça n'a pas été... On a voulu faire quelque chose de pacifique, mais les forces de l'ordre nous ont empêchés. Ils nous ont lancé des lacrymogènes dessus. Ils nous ont barricadé des voies. Ils ont essayé de nous intimider. Ça n'a pas été facile. Mais nous voulons, tout ce que nous demandons, c'est l'annulation du concours de l'intégration. Nous voulons accéder directement à la fonction publique. Voilà, c'est ce que nous voulons, que l'autorité de la Côte d'Ivoire, que le président de la République nous prenne en compte, nous écoute, essaie de nous aider pour que nous puissions intégrer directement la fonction publique. C'est cela notre cri de cœur, l'annulation du concours d'intégration à l'INFPA. Je suis l'étudiant Ngouran Ehouma Anissé, à l'Institut national de formation professionnelle agricole. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner la lutte que nos cadets sont en train de faire. J'ai eu le concours depuis 2021 et quand je suis rentré à l'INFPA, moi, à mon entendement, après la formation, j'étais censé m'insérer quelque part dans le futur public pour travailler. Mais après les deux ans de formation, je me trouve aujourd'hui au chômage. Ce qui est mauvais, l'INFPA lance le concours de recrutement. Quand il lance le concours de recrutement, il peut recruter plus de 1000 personnes, 1000 étudiants. Et à la suite des deux années de formation, quand ils finissent, quand ils lancent leur concours de recrutement, et pour entrer à la fonction publique, ils peuvent se manquer 15, ils peuvent se manquer 20. Et le reste là, il faut chercher 20 millions, il faut chercher 2 millions plutôt, 1 million et quelques, pour pouvoir intégrer la fonction publique. Et c'est ce qui n'est pas normal. Nous, aujourd'hui, nous sommes anciens. J'ai fini ma formation, mais actuellement, je suis au chômage. J'ai soutenu, j'ai fini, nous sommes encore au chômage. Nous cherchons encore. Quand tu vas déposer des, qu'on appelle, des projets dans les différents structures privées pour que tu puisses travailler là-bas, on te demande, est-ce que tu as déjà au moins quelque chose, c'est-à-dire une expérience de 5 ans, ou bien de 2 ans, ou bien de 3 ans. Mais attendez un peu. Pourquoi ce recrutement n'existe pas dans les autres concours et ça existe toujours à l'INFPA? Une fois ça existait, mais aujourd'hui ça n'est plus. Mais pourquoi ça ne peut pas se supprimer chez ce qu'on appelle l'INFPA? Et c'est ce que nous sommes montés de combattre aujourd'hui. Nous demandons pardon. On appelle les autorités, on demande pardon à Alassane aujourd'hui, au président Alassane, de nous écouter. L'INFPA aujourd'hui forme des étudiants et après ils les jettent au chômage. On peut dire que l'INFPA engendre même le taux de chômage ici en Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas recruter au moins 1000 étudiants après la formation. Tu intègres au moins un qu'on appelle un 30 personnes et les 970 personnes qui sont derrière vont au chômage, ils vont à moins zéro. C'est-à-dire toutes les activités que j'étais en train de faire, ils vont répondre encore à zéro pour le faire. On lance le concours d'intégration. Imaginons, tu rentres à 38 ans. Tu rentres à 38 ans. Après les 38 ans, c'est-à-dire à 40 ans, tu ne peux plus passer le concours d'intégration. 38 ans, tu fais tes 2 ans. Après tes 2 ans, on lance le concours d'intégration. C'est fini. Ton âge est déjà dépassé. Alors tu vas déjà au chômage. Et c'est ce que nous combattons actuellement. On demande pardon aux autorités de venir nous écouter. Cette marche, c'est une marche pacifique. Nous sommes arrivés ici au plateau aujourd'hui, c'est une marche pacifique. Mais ce qui est mauvais, les autorités qu'on appelle les forces de l'ordre sont en train de nous intimider. Ils sont en train de mettre les bâtons dans nos roues de gauche à droite pour ne pas qu'on puisse nous entendre. Vraiment, on est fatigué. Je suis l'étudiant Yoma Léon Samuel, étudiant à l'INFPA, Institut National de Formation Professionnelle Agricole. Nous sommes les jeunes de la Côte d'Ivoire. Nous voulions nous mettre au service de la Côte d'Ivoire. On dit aujourd'hui, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Pourquoi, pour travailler en agriculture, il faut des procédures? Si l'économie de ce pays repose sur l'agriculture, pourquoi ne pas recruter plus de jeunes pour se mettre au service de la Côte d'Ivoire, pour servir le pays, afin de limiter, de réduire le taux d'importation? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire importe le riz. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'importe pas en matière de l'agriculture? La Côte d'Ivoire importe tout. Mais pourquoi? Alors qu'il y a plein de jeunes qui chôment actuellement, qui sont à la recherche d'emploi, des jeunes qui ont été formés en agriculture, qui peuvent se mettre au service du pays, mais qui ne travaillent pas. Pourquoi ne pas recruter ces jeunes-là à la fonction publique pour pouvoir travailler pour l'État? Nous déplorons cela. Nous demandons pardon au papa Ado de nous venir en aide. Nous voulons nous mettre au service de la Côte d'Ivoire. Nous voulons nous mettre au service de la Côte d'Ivoire afin de réduire le taux d'importation. Ce qui n'est pas normal, le riz, le poisson, la viande, tout est importé en Côte d'Ivoire. Alors que nous sommes formés en élevage, nous pouvions développer des projets en élevage, que ce soit en aviculture, que ce soit en porciculture, que ce soit en cuniculture, même en pisciculture, nous pouvions. Parce que nous sommes très bien formés à l'INFPA, mais au sorti de l'INFPA, nous sommes délaissés dans la rue. Nos parents prennent des crédits et après pour rembourser, tout est difficile. Après la formation, même pour avoir des subventions pour pouvoir monter des projets, même pour insérer des structures privées, tout est difficile. Il faut avoir des relations, des réseaux pour pouvoir insérer.
même que ce soit même à l'auto-emploi, tout est difficile, très très difficile. Donc nous plaidons auprès de Papa Ado et nos ministres de tutelle de jeter un peu leur regard sur notre situation. Actuellement, nous n'avions pas de lieu où dormir. Depuis samedi, nous n'avions pas de lieu où dormir. Actuellement, nous avions fait nos marches au plateau. On a fini, on ne sait pas où partir. Moi, comme ça, je suis de moi. Je n'ai pas de transport actuellement pour partir à moi. Qu'est-ce que je fais? Actuellement, il m'en va dans la rue comme ça. Je ne sais pas où dormir. Donc, actuellement, nous demandons, nous plaidons auprès de Papa Ado de nous venir en aide. C'est notre cri de cœur. Vous avez entendu les témoignages des uns et des autres. Nous retenons deux choses. La première chose, c'est que, après avoir chassé les étudiants de l'internat, étant donné qu'ils sont partis brutalement, ils n'ont pas pu prendre leurs affaires. Il y en a qui n'ont même pas pu prendre leur portable, encore moins des vêtements. Donc, ces étudiants-là voudraient pouvoir récupérer leurs affaires afin de rentrer en famille. Voilà. La deuxième chose, c'est que cette grève, cette marche, toutes ces manifestations ont été faites parce que les étudiants de l'INFPA ne veulent pas du concours d'intégration. Et ils ne veulent pas du concours d'intégration, pas par peur de passer un concours, mais en fait, ils ont passé déjà un concours de la fonction publique pour entrer dans cette école. Et ce à quoi ils s'attendent après avoir fini, c'est soit d'être intégrés à la fonction publique, soit d'avoir leur projet financé par l'État. Voilà. Étant donné que dans d'autres écoles, comme l'INFAS, comme l'ENS, comme le CAFOP, quand les gens passent le concours, ils deviennent automatiquement élèves fonctionnaires. Par ailleurs, il faut souligner que sur le terrain, il y a un déficit d'agents d'agriculture. Du coup, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas embaucher tous ces étudiants alors que depuis 2018, il est fait état que chaque année, le ministère de l'Agriculture recrute plus de 1700 personnes. Qui sont ces personnes? Et puis, on ne les voit pas sur le terrain. Qui sont ces personnes? Et puis, les étudiants doivent passer un concours d'intégration pour qu'on n'en retienne que 15 ou 20. Il y a un problème. Il y a un problème aussi au niveau du concours d'intégration. En offre, il y a des gens qui demandent que les étudiants payent 1,5 million à 2,5 millions pour être reçus au concours. En tout cas, pour ceux qui sont des enfants de modestes citoyens, c'est difficile à tenir tout cela. C'est pour cela que les étudiants demande tout simplement qu'on les intègre à la fonction publique ou qu'on finance leur projet. Nous en appelons donc à la clémence des autorités, des pouvoirs publics, afin que ce problème-là soit réglé. Il faudrait donc que le ministre de l'Agriculture entre en discussion avec eux pour trouver un terrain d'entente. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain focus.